Richard Kabatella, qui est avocat au barreau de Matete, avec qui nous allons aujourd'hui parler des violences sexuelles. Maître Richard Kabatella, bonjour. Bonjour. Maître Richard, nous parlons aujourd'hui des violences sexuelles. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les violences sexuelles? Il faut d'abord commencer par situer les violences sexuelles dans un contexte quelconque. Parce que quand on parle de violences sexuelles, jadis, ça n'existait pas dans notre code congolais. C'est dans un contexte de guerre qui ont commencé ici chez nous depuis 1996 que on a voulu qu'il y ait certaines dispositions de code qui doivent être, si pas réformées, mais mises ou insérées dans le code pénal congolais. Et c'est dans le contexte des guerres aujourd'hui qu'on a plus parlé des violences sexuelles. Donc ce sont des termes ou des crimes à caractère international. Donc c'est du droit international. Et qui dit droit international dans ce contexte voit le droit pénal humanitaire. Et c'est ce droit pénal humanitaire qui est venu avec ce que nous attendons aujourd'hui, c'est comme les crimes qui se commettent dans le contexte des guerres. Et ces crimes sont plus internationaux. C'est pour respecter la dignité humaine qu'on a voulu que la femme ou l'homme, parce que quand on parle de violence sexuelle, on voit seulement la femme. Non, l'homme aussi est concerné en tant qu'humain, parce qu'il fait partie de l'humanitaire. C'est dans ce contexte-là qu'il faut situer les violences sexuelles qui se commettent aujourd'hui et qui sont accentuées par le contexte des guerres. Donc, il a fallu qu'on puisse prendre les dispositions de la loi, du droit pénal humanitaire ou du droit humanitaire, qu'on les insère dans le code pénal congolais pour qu'on parle aujourd'hui des crimes ou des violences sexuelles, si tu le veux. Mais maître, quelles sont alors les formes de violences sexuelles? Parce qu'aujourd'hui, on en parle un peu beaucoup. Nous entendons parler par-ci, par-là des violences sexuelles. Mais il s'agit de quoi quand il faut parler des violences sexuelles? Quelles sont les formes, les catégories des violences sexuelles? Lorsqu'on parle aujourd'hui des formes, des catégories, s'il faut catégoriser, il faut aller dans le code pénal. C'est le code pénal congolais qui doit nous dire quoi. C'est ainsi que, comme je t'ai parlé tout de suite, qu'il a fallu prendre les dispositions du code pénal, du droit humanitaire qu'on puisse insérer dans le code pénal. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons la loi numéro 06/18 du 20 juillet 2006 qui a complété un décret. Et aujourd'hui, nous avons cette loi. Et c'est dans cette loi qu'on a inséré. Et quand il faut parler de toute forme de violence sexuelle, on voit dans cette loi. S'il faut aller, quelles sont maintenant, il faut prendre d'abord, quelles sont les infractions qu'on appelle aujourd'hui violence sexuelle. Parce que pour que ce soit violence sexuelle, il faut que ce soit une infraction. Ce sont les infractions. Vous avez par exemple l'attentat à la pudeur. C'est une infraction. Mais c'est une forme de violence sexuelle. Vous avez le viol en soi. C'est une infraction qui est dans le code pénal. Nous avons les harcèlements sexuels et ainsi de suite. Les violences conjugales. Donc c'est une grande définition. Masolo, vraiment solo yango yé na katakin. Alui pona bakinwa. Résidence Kifouani, Yango yo na kataki na katambita pigeon. Alubi pour na ba chambre deluxe, na ba chambre bien, ba chambre propre. Hôtel deluxe yango yo na kataki na katambita pigeon. Tozali awa na résidence Kifouana. Eza situé na commune ya Ngalema na quartier Binza Pigeon sur l'avenue Congo ya Sika numéro 22. Alors là, nous vous offrons de beaux appartements pour notre séjour dans la Katia Kin.
l'herbe zo ya na kin na ba séjour na bino ba vacances to bosengeli na ba logement ya kitoko yango tozo ko kotia na disposition na bino ba appartement mibale au bozo ko visiter au pe bomona ezali donc ba appartement moko ya niveau moko ya très somptueux eza de na ba qualité moko bien et puis très propre je crois que bomona ngo ba image intina tia commentaire mingi bomona ngo bino ba image tozo ko répéter adresse na biso ezali bongo na avenue Congo ya Sika numéro 22 quartier Binza Pigeon commune Ngaliema numéro ya téléphone na biso ezali 082 42 00 716 pona bato bazali na poto bro ko benga monsieur Kiamfwana na numéro plus 33 62 87 23 782. Voilà. Bonjour, je m'appelle Cynthia Kams. Et comme vous voyez que CPLA TV est un appel à CPSA Bino et Vandi, et le bien n'est pas un CPSA client Abiso. Alors CPLA TV est bien aussi le décodeur à Sika. C'est CPLA TV Plus, The New Generation, avec plus de 21 chaînes. Il y a Congo, encore plus. Donc j'espère que Bino nous vous CPLI. Parce que non simplement que c'est CPLA TV Plus, New Generation, mais c'est aussi moins 70 livres. Donc avant vous avez 150 et maintenant vous avez 80 livres. Vraiment, cadeau à maman. Qui est d'abord, d'ailleurs, dans le statut de Rome, même il y en a aussi. C'est toute une définition. Quand on veut définir, quand on veut bien définir les violences sexuelles, il faut aller dans la loi pour savoir c'est quoi l'attentat lapidaire conformément aux droits humanitaires. Et dans le code pénal, c'est quoi le viol et comment il est fait? C'est ça la définition. Mais oui, maître, parlons alors de la loi 06-018 du 20 juillet 2006 qui complète les codes, comme vous venez de le dire, le code congolais en matière de violences sexuelles. Est-ce que le code pénal congolais contient-il des modifications liées aux violences sexuelles? Je crois avoir le code avec moi ici, madame. Oui. Il contient effectivement des dispositions qui ont été revus et qu'on a ajouté. On a redéfini en fait le viol parce que le viol existait déjà. Mais il fallait qu'il entre dans un cadre humanitaire. On a donné toute une... Il y a des dispositions. Vous avez l'article 167 qui parlait de l'attentat à lapidaire. Et c'est cet article qui a redéfini l'attentat à lapidaire conformément au droit humanitaire. Vous avez aussi l'article 170 qui parle de viol. Et vous avez aussi l'article 172 qui parle de l'excitation des mineurs à la débauche. Et tout l'arsenal, en dehors, vous continuerez avec l'article 173, avec l'article 174, avec l'article 174B. Ainsi de suite, et vous allez voir, dans toutes ces dispositions ont été revues. C'est là qu'on définit c'est quoi le viol. C'est toute une forme, quand une femme viole, quand un homme viole. Et c'est toute cette définition-là. Ça a été revu, et aujourd'hui, on a ces crimes, même au niveau international, c'est de la même manière qu'on les a définis par le droit humanitaire, c'est de la même manière que le code pénal congolais aussi les définit. Oui, maître, nous sommes en train de poursuivre. Revenons dans les contextes congolais. Nous voyons qu'il y a, s'il faut vraiment qu'on le dise ainsi, il y a des personnes, il y a des individus qui utilisent le viol comme étant un moyen pour pouvoir soutirer de l'argent
pour pouvoir gagner, pour pouvoir obtenir des biens de la part de la partie incriminée, de la part de la partie de l'accusé. Mais qui prévoit la loi dans le contexte où le viol n'est pas consommé, mais il y a une partie citante et à la fin, après jugement, nous remarquons que la partie accusée est innocente. Oui, vous savez, je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, que ce sont des crimes qui se commettent dans un cadre quelconque, dans un cadre tout à fait déterminé. Si alors le juge, après le délibéré, il est dit que le monsieur est innocent, vous avez la jurisprudence récente, c'est la jurisprudence de Saïsaï. Bien que le commun des mortels croit ou pense de sa manière qu'il y a tel ou tel qui ont influé sur la décision du juge. Mais nous voyons plutôt l'administration de la justice comment elle doit se faire. Quand on est innocent, on reste innocent. Ça veut dire, quand vous trouvez que vous avez été innocent et que le juge lui-même vous a déclaré innocent. Parce que jusque quand on arrête la personne, jusqu'à la personne n'est pas condamnée, c'est un inculpé. Et c'est sur base des indices sérieux de culpabilité qu'on garde d'abord la personne. Vous avez par exemple imputation dommageable, que vous devez aller contre la personne qui a détruit votre honneur ou qui a saccagé votre honneur dans la société. Vous pouvez aller en action avec l'action contre cette personne qui était d'abord victime au départ, mais vous pouvez aussi devenir victime de votre propre honneur. C'est là ce qu'il faut. Donc, c'est là vous avez par exemple l'imputation dommageable qui peut être une action pour une personne. Comme ça. Parce qu'on ne peut pas se servir de l'honneur de quelqu'un, ou parce qu'on connaît que tel est riche, ou parce qu'on connaît que tel a une position quelconque dans la société, ou il veut nuire à mon pouvoir, il faut que j'utilise le viol comme arme pour le détruire et qu'il devienne. Non. Le viol, c'est conformément au code. Et nous avons encore confiance dans notre justice. Et la jurisprudence de CSAI, bien que c'est une liberté provisoire, nous pensons que ça peut servir de leçon à tous ceux qui pensent qu'on peut se servir des viols pour détruire l'honneur des gens ou pour s'enrichir. Parce que derrière le viol, il y a effectivement des dommages et intérêts. Maître Richard Kabatella, mais nous voyons dans nos quartiers, dans nos familles, surtout s'il faut parler peut-être des gens qui sont un peu friqués, des gens qui ont de l'argent, qui sont le plus victimes. Parce qu'ils ont de l'argent, il y a des gens qui montent des actions, il y a des gens qui montent des scénarios pour les accuser de viol. Mais il y a des gens qui sont aussi élevés en dignité, qui se sentent finalement mal à l'aise, qui se sentent finalement lésés par cette histoire. Mais aussi la réputation est déjà bafouée, la réputation est déjà salie. Oui, je dis, tout le monde a droit à la justice. Et les actions sont prévues pour chacun de nous dans la société, du président au dernier citoyen. Il n'y a pas, les lois sont faites pour tout le monde, c'est pourquoi nous disons la loi est impersonnelle. C'est pourquoi je venais de vous dire, quand vous trouvez que votre honneur a été entamé, votre honneur a été bafoué, votre dignité a été bafouée, c'est à vous de faire les actions que la loi a prévues contre ceux-là qui ont pensé que en se servant du viol, je peux me faire endommager ou je peux me faire dédommager. En se servant de viol, la personne peut perdre sa maison. En se servant de viol, telle personne va croupir dans un centre pénitentiaire. Mais je vous ai dit aussi. Je vous ai dit aussi. L'État doit faire son travail. Quel est le travail de l'État? C'est l'administration d'une justice juste. C'est ça le travail de juge, le travail de magistrat.
Celui qui a raison, a raison. Celui qui a tort, a tort. Je venais de vous donner la jurisprudence récente de M. Sai Sai. S'il est innocent, il est innocent. Mais le problème, c'est quoi? Quand on veut nuire à autrui, prenez aussi des dispositions pour savoir quelle est la loi qui vous protège. Mais la loi ne protège pas quelqu'un qui veut nuire. La loi protège plutôt la personne qu'on veut nuire, le faible. C'est ça la loi. Et aussi, il faut aller de l'autre côté. Il ne faut pas seulement voir que le viol, c'est le rapprochement charnel. Non! Le viol a plusieurs, et multidimensionnel si je peux le dire, a plusieurs dimensions. Le fait, la prostitution, le fait de pousser quelqu'un à la prostitution, c'est le viol. Le fait de chercher de l'argent, vous avez une maison, vous hébergez des filles pour pouvoir, pour que ces filles cherchent de l'argent pour vous, c'est une forme de violence. Le proxénétisme. Le proxénétisme. C'est une forme de violence. Vous voyez tous ces PD qui marchent, toutes ces filles qui marchent à peine nuit. C'est une forme de violence. Mais c'est l'État qui doit prendre des dispositions par rapport à tout cela. Vous comprenez? Là, même si nous retournons à l'attentat à Lapideur, oui. Si vous permettez que je vous lise, oui, ne fût-ce qu'un mot par rapport à l'attentat à Lapideur. Tout acte contraire aux bonnes mœurs exercé intentionnellement et directement sur une personne dans le sans le consentement valable de celle-ci constitue un attentat à Lapideur. Tout attentat à Lapideur, donc, tu vois, c'est-à-dire tout acte contraire aux bonnes mœurs. S'il faut prendre seulement ça. Mais le fait de mal s'habiller, c'est contraire aux bonnes mœurs. Le fait, écoute. Est-ce que l'État congolais. Le fait de changer. Condamne les femmes qui sont. L'homosexualité. Ça, c'est le contraire aux bonnes mœurs, madame. Mais vous avez des PD qui se promènent jour, donc, en plein jour. Ils organisent. Même, j'ai vu dans ton quartier sur Matongé, j'ai vu tout un groupe. Non, il y a un PD qui est mort, ils étaient en train de pleurer. Mais où était le ministère public et tous les services de sécurité pour arrêter ces gens. C'est une forme de violence. Mais oui, c'est une forme de violence. Puisque nous sommes en train de parler de violence, dites-nous précisément, quand est-ce qu'on constate qu'il y a viol? Pratiquement pour que les gens qui nous suivent puissent avoir vraiment une idée, quand est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a viol, par exemple, sur mineurs? Parce qu'il n'y a pas seulement viol sur mineurs, il y a aussi viol sur adultes. Et quand est-ce qu'on constate, avec les faits matériels, quand est-ce qu'on va constater, comment pouvons-nous constater qu'il y a eu viol, infraction de viol? C'est tous les actes liés, comme je venais de vous dire, dès lors qu'il y a par exemple le harcèlement sexuel. Et celui qui est habilité à dire qu'il y a eu viol, c'est le juge. Ok? Oui. C'est le juge qui est habilité à dire, dans le cas ici, il y a eu viol, avec le preuve. Par exemple, mais je comprends comment le monde comprend le viol. C'est parce que nous nous limitons seulement à l'acte sexuel. Mais prenons le viol ou les violences sexuelles dans leur forme totale. Comment la loi les définit? Il ne faut pas seulement se limiter à l'acte sexuel. Parce que si nous prenons les viols tels que définis dans le code pénal, je sais que beaucoup de gens vont aller à Macan. Beaucoup. Et femmes et hommes. Beaucoup vont aller. Mais l'attentat à Lapideur, c'est tous les jours. Même si, pendant que nous sommes sur le plateau, et que j'essaie seulement de te taper pas à des endroits où je ne peux pas te toucher. Sans ta permission. Tu comprends? C'est une forme de violence. Le viol est consommé, madame. C'est une forme de violence sexuelle. Vous comprenez? Et tout ça, c'est développé dans le code. C'est parce que nous nous limitons seulement au seul fait de l'acte sexuel qu'on pense que c'est ça le viol. Non. La violence sexuelle doit être prise dans toute sa dimension. Développée conformément à la loi 06. À ce moment-là, on va voir tous ces éléments-là. Dès que tous ces éléments qui sont compris dans la loi 06, tels qu'on les définit, sont compris, le viol est consommé. Et c'est au juge d'établir
que l'infraction est des viols est consommée et que il y a maintenant une forme de violence sexuelle. C'est là qu'on détermine. Maître, parlons alors du défaut de pertinence de la qualité officielle de l'ordre hiérarchique en matière des infractions de violence sexuelle. Est-ce qu'une personne élevée en dignité peut-elle être exonérée de poursuites au cas de viol? Oui, tu es en train de parler au fait de la responsabilité pénale des qualités officielles, oui, des gens qui sont élevés en dignité, oui. Ainsi de suite, des ministres, des présidents des États ou des chefs d'État, ainsi de suite. Non, madame. Je vais vous dire tout de suite que c'est effectivement parmi les nouveautés de cette loi 06. C'est ça. Pourquoi on a inséré toutes ces dispositions dans le code pénal? C'est effectivement parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y a pas de privilège possible pour cette qualité de personne. Pourquoi? Parce que quand tu regardes, je venais de te dire tout à l'heure là que nous sommes là, c'est dans le contexte du droit humanitaire. Et le droit humanitaire protège plus la population civile. Et ça protège l'humanité entière. C'est pour cette raison-là que on ne peut pas exonérer, on ne peut pas donner des privilèges à une personne qui est chef de l'État, parce qu'il est général, parce qu'il est colonel, parce qu'il est ministre, qu'il commette des viols, des attentats lapidaires, il n'est pas exonéré ou il n'est pas à l'abri de poursuites judiciaires par rapport à toute forme de violence. Non. S'il a commis et que ce soit dans un cas de flagrance, que ce soit dans n'importe quel cas, il doit être pris. Et d'ailleurs, ici nous avons beaucoup de jurisprudence dans cette matière. Dans cette matière, nous avons vu des députés ici arrêtés, bien que transférés ailleurs à la Cour pénale internationale. C'est toujours dans le cadre des mêmes crimes. Je vous ai dit que ce sont les crimes, des crimes qui se commettent dans le contexte des guerres. Et même si, c'est pourquoi d'ailleurs, celui qui est plus pris, c'est, comme on parle de l'autorité hiérarchique, c'est le supérieur, le commandant au fait, des troupes qui répond à la place de tous ceux qui ont commis ces crimes. Vous comprenez? Vous êtes par exemple chef d'une rébellion et on sait que ta rébellion a commis des crimes, il y a eu des viols comme on les voit à l'Est, comme on l'a vu, comme on le dit peut-être ailleurs. Vous allez comprendre que c'est vous qui allez répondre parce que vous avez été seulement autorité hiérarchique. Vous allez voir, je crois, l'article 7 du statut de Rome, il y en a, et on a inséré aussi ça par la loi 06. Dans le code pénal congolais. Maître, parlons alors du viol sur mineur. Que prévoit la loi au cas de viol sur mineur? Tu sais la distinction entre viol sur mineur. Quand je vis d'ailleurs, ça me rappelle la discussion que faisaient mes confrères avocats dans le procès Saï-Saï, entre sur le plan âge et sud. Oui, c'est vrai, l'âge peut être déterminé, mais c'est l'unique distinction. Pourquoi on sait faire cette distinction sur mineur? Mineur, c'est-à-dire une personne, conformément au code pénal, une personne, selon la loi 06 dont je te parle, une personne de moins de 18 ans. Qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité. On suppose que cette personne, ses facultés mentales ne lui permettent pas de réfléchir ou de poser des actes de responsabilité. C'est pourquoi on parle des mineurs. Alors, cette personne, si tu commets les actes relatifs au viol, les actes relatifs à l'attentat lapidaire, qui sont effectivement comme étant une forme de violence que tu commets sur lui, que ce soit avec son consentement ou sans consentement, le viol est consommé.
C'est-à-dire que tu réponds, tu es responsable. Mm-hmm. Tu es responsable. C'est ça la différence avec une personne majeure. Parce qu'une personne majeure, il faut que ça soit avec son consentement. Si c'est avec son consentement, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est sans son consentement, là, c'est le viol. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ou l'homme sur la femme, ou la femme sur l'homme. Et la loi... C'est au niveau du consentement, en fait. Chez le mineur, c'est sans... Je pense que son consentement... Le consentement ne l'engage pas. Mm-hmm. Même s'il vous a donné son consentement, il vous a dit, non, je t'aime, allons-y. Et que tu pars, vous commettez par exemple des actes sexuels, il y a viol. Et puis il n'y a pas seulement des actes sexuels, il peut y avoir des accouchements aussi. Des accouchements au sein, des choses comme ça, et liés, tous les actes qu'on définit. Même si vous embauchez cet enfant dans une maison de débauche, par exemple, vous êtes responsable, vous êtes poursuivable. Vous êtes responsable des formes de violence. Vous êtes responsable de tout cela. De l'attentat à la pudeur, des viols ou des formes de violence. Et aussi, je vais ajouter, c'est là qu'il faut peut-être revoir. Revoir même les maisons de tolérance. Revoir les boîtes de nuit que vous avez un peu partout. Ces boîtes de nuit, quelle est leur finalité? Vous pensez vraiment qu'ils sont dans la légalité? Non. Parce qu'il y en a. C'est parce que c'est là que le ministère public doit se réveiller, parce qu'il doit chercher les infractions. Qu'est-ce que les gens vont aller faire dans ces boîtes de nuit? Non, mais ce sont des endroits où les gens se retrouvent pour se donner du plaisir. Oui, mais quel plaisir. Il n'y a pas seulement les... Écoute, je vous ai dit ceci. Dans le viol, il y a plusieurs actes. Ou dans le viol, effectivement. Quand la loi 06 définit le viol, il y a plusieurs actes. Il y a les gens qui embauchent les filles pour les chercher de l'argent dans ces histoires. Même dans les hôtels. Ils ont ça comme fin. Et il y a même des pourcentages qui se répartissent. C'est ça le travail du ministère public. À la recherche de telles infractions. Ok? Il faut qu'on puisse donner les violences sexuelles leur forme totale. Selon selon le code pénal ou selon la loi 06. Mais on dirait que les violences sexuelles ont maintenant de l'ampleur dans notre communauté. Aujourd'hui, nous en parlons un peu partout, par-ci, par-là. Aujourd'hui, la violence sexuelle est devenue monnaie courante. Ici, en République démocratique du Congo, on en parle vraiment partout. C'est une autre histoire. Oui, on doit en parler parce qu'actuellement, ça bat record. Pourquoi? Il y a un vent quelconque qui vient pour détruire l'humanité à travers cette forme de criminalité. C'est pourquoi on doit lutter contre ce vent. Ok? On doit neutraliser, mettre fin à ça. Mais maintenant, la manière dont la société congolaise prend cette forme de criminalité, c'est ce qui me dit qu'il y a échec. Pourquoi? Si tu regardes, les hommes ne s'intéressent même pas. C'est un problème des femmes. Il n'y a que les femmes qui sont violées. Non. Mais il y a des femmes qui sont violées. Et il y a des hommes qui sont violés par les femmes. Ici, à Kinshasa. Mais on n'a pas encore vu Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas encore... Les plaintes qui ont été déposées. Oui, il n'y a pas encore de jurisprudence. C'est vrai, il n'y a pas encore de jurisprudence. C'est parce qu'on n'en parle pas. Mais quand on en parle, on voit seulement que ce sont les femmes qui se donnent, comme s'il n'y a que les femmes qui sont violées. Non. Il faut qu'on parle, qu'on puisse insérer les hommes. Que les hommes comprennent aussi que nous aussi, nous pouvons être violés. Qu'on lise la loi 06, vous allez comprendre que c'est la loi dit toute femme qui aurait la suite. Tout homme qui aurait la suite. Donc, c'est vice-versa, madame. Vous comprenez? Oui. Donc, cet acte, par exemple, sexuel, fait avec force sur une personne,
que ce soit commis par un homme, que ce soit commis par une femme, ça constitue bel et bien le viol. Vous comprenez? Mais on doit en parler parce que ça prend de l'ampleur. Et aussi, c'est parce qu'il y en a qui se croient à l'abri. Donc, dans le royaume des tout permis. C'est pourquoi j'ai insisté. Mais maître, il y a des viols qui n'ont jamais été élucidés. Il y a des gens qui commettent des viols, mais qui n'ont jamais été poursuivis, qui n'ont jamais fait objet de poursuites. Mais madame, le droit n'est droit que quand on l'exerce en tant que prérogative, vous accordez. Ok? Le droit n'est droit qu'en tant que prérogative, que la loi vous accorde. On vous dit, j'ai été violé, oui. Par qui? Par tel. Mais si je reste à la maison parce que j'ai été violé, est-ce que j'ai exercé mon droit? Non. Mais sors, va aux instances, il y a une poursuite. Qu'on poursuive le violeur. À ce moment-là, le viol sera établi. Mais si on dit non, ça n'a pas été établi, et que vous dites non, j'ai été violé, mais vous restez à la maison, qui doit exercer cette prérogative à votre place? C'est d'abord vous-même. Si vous êtes mineur, ce sont les tuteurs du mineur qui doivent aller devant les instances compétentes pour pouvoir exercer ce droit. Maître, nous sommes pratiquement à la fin. Pouvons-nous retenir alors de ces concepts qui commencent déjà à battre son plein ici dans la nation congolaise, c'est vrai, et ailleurs aussi, mais qui est aussi mal pris par certains individus? Que pouvons-nous dire maintenant aux gens qui nous suivent? Oui, tout ce que nous pouvons dire sur ça, et je vais juste dire que chacun ait une connaissance parfaite des violences sexuelles. Quand on parle de violences sexuelles, c'est une forme de criminalité qui s'intéresserait. Et la loi a bien précisé les actes qui entrent dans les violences sexuelles. Quels sont ces actes? Il y a même des petits actes que les gens commettent tous les jours qui entrent dans les violences sexuelles, mais qu'on néglige. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer notre façon de voir les choses. Retourner à la loi, en fait. Voir la loi 06, qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle définit le viol? À ce moment-là, nous allons bien sensibiliser les autres. Nous allons aussi bien appliquer ou faire appliquer la loi. Et par rapport à ceux qui tiennent même les maisons de débauche, qui ont des boîtes de nuit, qui poussent les gens à faire des actes contraires à la loi. Des gens, par exemple, qui encouragent l'homosexualité, et ainsi de suite, ou qui les font. Alors, aussi longtemps que nous n'avons pas encore compris c'est quoi les violences sexuelles, quels sont les actes qui constituent les violences sexuelles? Aussi longtemps que nous n'avons pas encore compris que les souteneurs, le proxénétisme, le mariage forcé, l'esclavage sexuel, la mutilation de corps, et si tous ces actes qui constituent les violences sexuelles, tous ces actes constituent les violences sexuelles, nous allons faire longtemps en train de faire des propagandes inutiles, en train de faire des bruits inutiles, et les gens ne comprendraient rien. Mais quand on a compris, chacun va se mettre à la place. Chacun va dire non. Même ceux qui pensent que si je dis ça, je vais m'enrichir parce que tel est riche, il va me dédommager, ça sera difficile. Et on va faire les bruits inutiles. Et certains seront condamnés inutilement et innocemment. Et certains aussi seront acquittés avec des pressions, comme on l'a dit. C'est à chacun de faire son travail. Aux magistrats de faire leur travail. À la société de faire son travail. Mais tout le monde, tous, nous devons regarder dans cette direction. La direction de la loi 06.
qui définit toute forme de violence sexuelle. Maître Richard Kabatela, avocat au barreau de Matete, nous vous remercions. Merci madame, et merci aussi à tous ceux qui vont nous suivre et pratiquer le droit pour que nous soyons une société digne de soi, une société qui respecte ses lois. C'est parce que c'est la justice qui élève une nation.